Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est sur une Audi S3. On va vous montrer en fait comment mettre en place le launch control pour faire un départ arrêté. Donc alors Gilles, tu vas nous Voilà, expliquer. bon, déjà il faut se mettre en dynamique ou en mode sport. Mode sport c'est mieux. Ok. Après, il y a le petit bouton là qu'il faut appuyer. On appuie une fois, parce que si une fois, donc il se met en mode, le système de stabilité se met en mode sport. Ça veut dire qu'en fait ça permet aux roues de pouvoir glisser un petit peu. Ok. Parce que comme ça, ça permet de lancer. Et après, une fois que c'est fait, c'est très facile. Le frein, très fort. Et après, l'accélérateur. Donc on appuie et quand vous voulez partir, vous lâchez le frein. D'accord, donc on appuie sur le frein, l'accélérateur à fond. Voilà. Et quand on veut partir, on lâche le frein et la voiture à part. Et la voiture, elle part. Ok, ça marche. Donc là, c'était pour vous expliquer à l'arrêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en direct. Voilà, donc là maintenant on est juste à attendre. Donc si vous pouvez, faites-le sur une route fermée. Oui, faites-le sur une route fermée, faites-le sur des grandes routes et. Voilà, ne faites pas sur des petites routes où il y a des tournants. Voilà, faites pas les idiots quoi. Alors, on se met, on s'assure qu'on est bien en position. Là j'avais déjà appuyé sur le bouton, donc frein. Vous ouvrez la valve. Thank you.